Bienvenue à cette nouvelle vidéo blog du groupe Ekishumo. Mon nom est Louis Mbani Atangana, je suis le président fondateur du groupe Ekishumo. Je vous parle en direct de Gatineau, au Québec et précisément au Canada. Le groupe Ekishumo est une entreprise de formation, de motivation et d'animation des équipes de travail. Ça veut dire que nous allons dans les entreprises, au gouvernement, dans les organismes à but non lucratif, motiver les équipes, les former dans l'esprit du travail en groupe, le travail d'équipe, avec de la musique. C'est ce qui fait vraiment la spécificité de notre travail. Alors aujourd'hui, je veux vous brosser en quelques mots l'historique du groupe Ekishumo. Le groupe Ekishumo naît du groupe Angunda, que j'avais fondé au Cameroun, en Afrique centrale, où je suis né. Depuis, j'ai fondé le groupe Angunda vers 1996. On a fait des tournées en Afrique avec le groupe. On est allé aussi en Europe, en France, en Espagne et bien d'autres pays avant d'arriver au Canada en 2001. Alors le groupe Angunda a continué jusqu'en 2005 où les objectifs du groupe n'allaient plus vraiment avec les ambitions des membres du groupe. Alors nous avons décidé de réorienter nos affaires, de réorienter le groupe et donner un nouveau nom, d'où le nom Ekishumo. Donc le groupe Angunda est vraiment mort. On s'est retiré de ce projet-là pour créer le groupe Ekishumo en 2006. Alors, pour avoir plus de détails, je vous suggère, n'est-ce pas, de visiter le site internet parce que en quelques minutes, là, je ne pourrais pas vous donner vraiment tous les détails. Déjà, même avoir les membres, on est à peu près 10 personnes dans le groupe, sans compter nos conseillers, qui sont à peu près au nombre de 6 ou 7. Dans le groupe, donc, en 2006, nous créons l'entreprise. De 2006 à 2007, on a développé vraiment les affaires au niveau de notre région. À l'époque, j'étais à l'Université du Québec en Outaouais. Et j'ai commencé avec mes camarades, mes collègues de classe à lancer des petits projets. Et ensuite, on est allé dans la ville, n'est-ce pas, la ville de Gatineau, où nous vivons, développer dans la ville de Gatineau, où je suis allé inscrire le groupe Ekishumo comme membre de la chambre de commerce. On est allé au regroupement des gens d'affaires de la ville qui rejoint la région, n'est-ce pas, de l'Outaouais québécois et l'Ontario, Ottawa et l'Ontario. Alors, de 2007-2008, on a étoffé le groupe, regroupé les artistes d'un côté et regroupé l'équipe de formation de l'autre. Donc là, de 2007, 2008, 2009, on a commencé à avoir des contrats au niveau du gouvernement fédéral. On a donné des formations dans plusieurs ministères du gouvernement fédéral. On a développé aussi la région de Montréal. On a été dans des entreprises telles que Pfizer, où on a donné des formations. On a développé encore plus au niveau des organismes non lucratifs. On a commencé aussi à donner des formations au niveau des garderies pour la petite enfance, des écoles primaires aussi. Les collèges, les universités ont aussi eu appel à nous, l'Université Ottawa, on y a été, l'Université Canton, on y a été, l'Université du Québec en Ottawa, où je suis étudiant, a été aussi l'un de nos clients et continue encore à être nos clients. Notre client jusqu'à présent. Donc, voilà, grosso modo, en quelques mots, comment nous avons évolué. Actuellement, donc, nous nous concentrons de plus en plus sur la formation, l'animation et la motivation des équipes de travail. Nous avons assez de matériel pour motiver les employés. Et je vous rappelle qu'il y a un côté ressources humaines là-dedans. Vous allez vous demander qu'est-ce que les tam-tams viennent chercher dans les équipes de travail. Il y a vraiment un côté consultation en ressources humaines là-dedans. Nous aurons l'occasion d'en parler dans d'autres vidéoblogs. Sur ce, je vous dis merci de nous avoir écoutés. Et j'espère que prochainement, vous allez être nombreux à nous suivre. Nous avons notre site internet pour avoir plus de détails. Je vous le dis, sur le site, vous avez plein de détails sur le groupe, sur nos services, sur qu'est-ce que nous faisons, nos équipes, nos ressources. Alors, nous avons un site internet, www.ekishumo.com. Nous avons
Facebook, nous avons un Twitter, nous avons aussi un LinkedIn, un réseau LinkedIn où vous pouvez nous suivre, un YouTube aussi avec toutes les vidéos que nous vous envoyons. Nous sommes ravis, nous sommes privilégiés de savoir que vous nous écoutons. Nous recevons beaucoup de vos commentaires, vos courriels. Nous vous remercions. Nous allons améliorer cet espace de communication que nous avons avec vous au jour le jour. Merci beaucoup du temps que vous nous accordez et à très bientôt. Bye bye.